Alors, bonjour et bienvenue au cours 23, Marie de Charlevoix. Alors, aujourd'hui, nous verrons la phrase de forme positive ou négative. Toutefois, tu dois savoir qu'en nouvelle grammaire, on parle de phrase de forme positive, ou plus simplement, de phrase positive, pour nommer ce que la grammaire traditionnelle appelle phrase affirmative. Donc, aujourd'hui, nous ne parlerons pas de phrase affirmative, mais bel et bien de phrase positive selon la nouvelle grammaire. Et là, j'ai une question mystère. Cette phrase est-elle une phrase négative? Je déteste réellement les serpents. Nous verrons la réponse dans quelques minutes. Alors, nous poursuivons sur les types et les formes de phrases. Nous avons vu la phrase déclarative, la phrase interrogative, la phrase exclamative, la phrase impérative. Et aujourd'hui, eh bien, il s'agit du dernier cours sur cette playlist, la phrase de forme positive ou négative. Posons-nous la question, mais qu'est-ce qu'une phrase de forme positive? Eh bien, c'est une phrase qui ne contient pas de marqueur négatif. Donc, la phrase de forme négative s'oppose à la phrase de forme positive. Elle sert à nier, à refuser ou à interdire quelque chose. C'est une phrase transformée par un marqueur de négation. Et dans la phrase négative, on retrouve deux marqueurs de négation. Regarde bien l'exemple ici. Emma photographie la nature. Voici une phrase de forme positive que nous allons transformer en phrase négative. Emma ne photographie pas la nature. Alors, voyez-vous, ici, j'ai le ne et le pas. On retrouve donc deux éléments de négation dans la phrase. Alors, la phrase négative comporte donc deux éléments de négation. Et dans une phrase négative, on retrouvera le marqueur ne ou n' en tout temps, accompagné d'un autre marqueur de négation. Ton marqueur de négation peut être un adverbe. Pas, plus, guère, jamais, nullement. Regardons notre exemple. Ce crapaud n'est pas beau. Alors, nous avons ici notre N apostrophe que je t'ai dit ici. On retrouve toujours soit le ne ou le N apostrophe dans une phrase négative. Et celui-ci est accompagné d'un autre marqueur de négation. Ton marqueur de négation peut être un déterminant. Aucun, nul. Elle ne mange aucun légume. Alors, nous avons notre ne, que je t'ai nommé ici, qui est accompagné d'un autre marqueur de négation, aucun. Ton marqueur de négation peut être également un pronom. Aucun, nul, personne, rien. Personne ne veut de la salade. Alors, nous avons notre ne ici, qui est accompagné et également d'un autre marqueur de négation, personne. Voilà. Regardons maintenant les transformations de la phrase positive en phrase négative. Commençons ici. Je suis partie chez mon frère. Regarde bien cette phrase positive. Et si je regarde, il y a le verbe partir au passé composé. Il y a donc l'auxiliaire suivi du PP. Alors, si je veux transformer cette phrase positive en phrase négative, cela donnera « Je ne suis pas partie chez mon frère ». Et ici, les marqueurs de négation encadrent l'auxiliaire. Alors, nous avons nos deux marqueurs de négation qui encadrent l'auxiliaire « être ». Je lui dirai la vérité. Alors, voici notre phrase positive que nous allons transformer en phrase négative. Je ne lui dirai jamais la vérité. Et regarde, le marqueur de négation « ne » se place devant le pronom complément. Alors, nous retrouvons le « ne » qui est devant le pronom complément et accompagné un petit peu plus loin d'un autre marqueur de négation « jamais ». Émilie mange une banane. Alors, ici, tout simplement, transformons cette phrase positive en phrase négative, eh bien, nous dirons « Émilie ne mange pas de banane ». Et le regarde bien, le déterminant « de » qui est ici, remplace un, une, des, du, de là, après le verbe. Et nous retrouvons également nos deux marqueurs de négation. Il avait des regrets et des remords.
Alors, transformons cette phrase positive en phrase négative. Il n'avait pas de regrets ni de remords. Il faut savoir que l'on coordonne le plus souvent les éléments de la phrase par ni. Alors, voilà en ce qui concerne les transformations de la phrase positive en phrase négative. Finalement, ce sont deux marqueurs négatifs qui forment la phrase négative. Donc, est-ce une phrase négative? Je déteste réellement les serpents. Eh bien non, c'est une phrase de forme positive car on ne retrouve aucun marqueur de négation. Et si tu désires t'entraîner davantage sur la phrase positive et négative, eh bien, des exercices t'attendent sur mariedecharlevoix.com. Alors, le prochain cours, nouvelle playlist, les accords. Et nous verrons dans le cours 24 les donneurs et les receveurs d'accords. Et pour le moment, je te souhaite une très, très belle fin de journée. Au revoir.